Ici Jess Archambault. Dernièrement, un atelier de peinture parfumée est organisé pour les membres du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Le but est autant de créer une œuvre d'art visuel qu'une harmonie d'odeur. Bonjour, je m'appelle Josée Boyer, je travaille pour le regroupement des aveugles et amblyopes. Je suis agente de développement et de communication au RAM. Le RAM, c'est un regroupement de défense des droits en premier lieu. Et aussi, on a un service d'aide bénévole et on a des activités qu'on offre à nos membres, comme l'activité de peinture qui va avoir lieu aujourd'hui, ce soir même. Mon nom est Jeroen. Mon nom d'artiste, c'est Jérôme. Je suis une parfumeur et je fais aujourd'hui le workshop de peinture odorant. J'ai fabriqué la peinture qui avoir une odeur. J'ai fabriqué ce soir sept odeurs, avec sept couleurs. Comment on appelle ça? Une affaire de mer? Coquillage de mer. Jocelyne Bilodeau. Je suis membre du RAM, ça fait plusieurs années. Ça sent un peu les... Ça sent les épices à poisson. La peinture parfumée, ça m'intriguait beaucoup. Parce qu'en principe, la peinture, ça sent pas vraiment bon. Fait que, c'est, étant donné que celle-là est parfumée, ben ça a piqué ma curiosité. Le jaune, lui, est associé à... L'ananas. Ah oui, bon, ben c'est ça. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que la magie va arriver ce soir. Ouais. Moi, je prends pas le pinceau. Je prends mes doigts. Ouais, oui. Moi, mes doigts, c'est mes yeux. Mais il y a des couleurs que tu sens plus que d'autres. La cannelle qui est plus prononcée. La rose qui est plus prononcée aussi. Chaque personne va avoir son propre bénévole. Comme ça, s'ils ont besoin de quoi, ben le bénévole va être là pour les aider. Puis. Oui. Je suis correcte, là. Fait que là, maintenant, je vais faire des petites étoiles chaque côté. Une qui va sentir le pamplemousse, l'autre, peut-être une couleur plus pâle, le jaune. Je pense que ça se passe pas pire, là. J'ai fait une tige verte avec quatre feuilles et une rose. Il paraît que ça ressemble à ça. Pour plus d'informations, visitez le site web aromajoky.ca.